Donald Trump ne participera pas ce jeudi au débat télévisé du Parti républicain, le dernier avant les premières élections primaires dans l'Iowa. En cause, la présence sur le plateau d'une journaliste de Fox News que le milliardaire accuse de manquer de neutralité. Il lui avait reproché ses questions agressives lors d'un précédent débat. Ce retrait est surtout une nouvelle occasion pour Donald Trump de se démarquer de ses rivaux. Avec moi, ils ont affaire à quelqu'un de différent, dit-il. Ils ne peuvent pas jouer avec moi comme ils peuvent jouer avec quelqu'un d'autre. Donc laissons-les avoir leur débat et voyons les scores d'audience qu'ils obtiennent. La non-participation de Trump au débat républicain de jeudi est un manque de respect vis-à-vis des électeurs, a aussitôt réagi son principal rival dans l'Iowa, le sénateur du Tea Party, Ted Cruz. Il lance un défi à son adversaire. Cette course est très serrée, dit-il. Si Donald ne veut pas être sur la scène du débat avec d'autres candidats, eh bien j'aimerais l'inviter maintenant à participer à un débat en tête-à-tête, n'importe quand, entre aujourd'hui et les primaires de l'Iowa. Les derniers sondages donnent Donald Trump et Ted Cruz au coude à coude dans l'Iowa, loin devant le sénateur de Floride Marco Rubio. Les caucus de l'Iowa, qui lancent traditionnellement les primaires américaines, auront lieu lundi.